élément qui les caractérise, c'est la circoncision. Donc quand vous allez chez une nation où vous voyez la rigueur de la circoncision comme les Louba et les autres ici, sachez que vous êtes en territoire qui? C'est clair? Non, l'alliance que Dieu a scellée avec Abraham, c'est la circoncision. Et en Afrique, il y a des nations ou des peuples qui ne font pas la circoncision. Donc tous les Africains ne sont pas sémites. Il y a des tribus qui ne se circoncisent pas. Parce que ce n'est pas une loi. Mais la circoncision est le lien entre Dieu et la lignée biologique d'Abraham. Et donc, la conférence de Jérusalem a traité ce problème-là. Parce que la lignée de Jacques, ou le leadership de Jacques, voulait qu'on imposât aux païens qui se convertissaient de se circoncire. Et Paul disait non. Dieu a pris ces gens-là contre leur nature pour les insérer dans le plan de la rédemption. Voilà pourquoi il développe le concept selon lequel la circoncision spirituelle, ok, le juif spirituel, il n'y a ni juif, ni grec, ni romain, mais il n'y a aussi ni femme, ni homme, il n'y a ni esclave, ni libre. Le fait qu'il n'y a ni juif, ni grec, ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juifs. Sinon, il n'y aura plus de femmes. Sinon, les femmes vont prêcher. Donc, en dépit du salut, le juif est juif. Et il a ses protocoles, il a ses indices, il a ses traditions. Et Paul ne pouvait pas les détruire. Mais il prêchait à ces juifs-là le Christ. Et pour ne pas frustrer les païens, voilà pourquoi le concept juif spirituel sort chez Paul. Mais sinon que juif, c'est les habitants de la Judée. Ils sont de la tribu de Juda. Il n'y a pas de tribu spirituelle. Voilà pourquoi il n'y a pas Israël spirituel. Parce que Israël est constitué de 12 tribus. Et dans Apocalypse 7, lorsqu'on scelle les 144 000, il ne s'agit pas de 144 000 juifs, il s'agit de 144 000 israélites, des tribus de la maison d'Israël. Alors, c'était très important là, pour que vous puissiez comprendre premièrement l'importance de ce que nous sommes en train de dire, parce que je crois que cette question-là, c'est ça qui devait nous prendre du temps. Donc, on a voulu régler cela avant qu'elle ne soit posée. Et je pense qu'elle ne sera plus posée. D'accord? Voilà pourquoi, il faut que vous sachiez qui vous êtes. Parce que Israël s'est scellé sous une malédiction à la croix. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, Pilate a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait? Le roi des Juifs. On peut reprendre ça. Ils ont dit, nous ne connaissons pas ou nous n'avons pas un autre roi que qui? César. Donc, j'ai votre attention. Donc, sur la terre, il y a un peuple qui a refusé le leadership du roi du ciel. Et ils ont dit que nous ne voulons pas que le roi règne sur nous, Christ. Nous voulons que Rome domine sur nous. Il y a un peuple qui a dit ça. Ok? Donc ce peuple-là restera sous la domination de qui? Des Romains. Et nous savons que la Rome impériale est devenue quoi? La Rome papale. Donc il y a un peuple qui sera dominé par la Rome papale, l'Église catholique, avec son système de gestion planétaire. Ce n'est pas que Dieu a voulu que ce soit ainsi, c'est eux-mêmes qui ont dit, nous c'est César. Et ensuite, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants.
Donc les enfants de cette lignée-là sont inclus dans cette domination, dans cette malédiction-là. Dans tout ce qu'ils feront, ils vont croiser des couches d'oppression des Romains. Parce que ça a été scellé que nous ne voulons pas Christ, nous voulons que Rome domine sur nous. Le fait de devenir chrétien, ça n'arrête pas ça. Parce que c'est Rome qui a tué même les apôtres. Parce que biologiquement, ils faisaient partie de cette lignée. Donc ce peuple-là, dans tout ce qu'ils feront, ils vont croiser Rome. Alors, quitte à nous maintenant de chercher à connaître qui est le peuple qui vit sous la domination des Romains. Parce que les Juifs qui sont en Israël aujourd'hui, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Ce n'est pas Rome qui domine sur eux. C'est eux qui contrôlent tout le système financier du monde. Oh, mais quels sont ces gens-là qui ont crucifié Jésus? Qui ont dit que Rome domine sur nous? Mais c'est eux qui orchestrent les guerres, ceux qui gèrent l'économie, ceux qui prêtent au monde, et tout ça, ils sont tellement au haut niveau du contrôle mondial. Ceux qui créent les épidémies, ceux qui provoquent les guerres à l'ouest, à l'est de la RDC, et toutes ces histoires-là. La science, ceux qui la contrôlent. Mais à quel moment le châtiment de leur père leur est tombé dessus? Et que nous regardons en Afrique, il y a un peuple qui n'a rien fait. Ils ne sont pas pour eux des guerriers, mais du coup, on voit l'oppression de Rome sur eux. Toute la malédiction de la croix et des malédictions précédentes tombe sur ce peuple-là. Alors, c'est ça l'équation qu'il faut résoudre. Parce que la grande difficulté, c'est de prier alors que vous souffrez et vous ne savez pas la raison de vos souffrances. Vous savez, en psychologie, on dit que quand quelqu'un a été asservi par un bourreau, quand on enlève les femmes, le bourreau, son bourreau l'a séquestré. Quand elle est libérée et que le bourreau va en prison, généralement, la femme là finit par aller rendre visite au bourreau. Voilà pourquoi l'Africain est trop gentil. Il accepte tout. Il aime tout. Tout ce qu'on l'impose, tout ce qu'on lui dit, il accepte comme si tout ce qui vient de Rome est vrai. Parce que à la croix, ses aïeux avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Et que nous, ce que nous voulons, ce n'est pas le Christ, c'est que Rome puisse dominer sur nous. Et dans Ésaïe 19, le verset 4, le Seigneur dit que des maîtres sévères et des rois cruels domineront sur l'Égypte. Donc, voilà pourquoi nous vivons dans une situation où même les autorités qui veulent bien travailler, ils ne peuvent pas s'en sortir parce qu'à un niveau plus élevé, il y a un problème plus difficile à régler. Aucun homme bon ne peut le faire. Comment ça se passe si la RDC, bon, nous qui sommes, qui utilisons le franc CFA, la Chine veut emprunter, prêter 10 000 aux Africains avant que l'argent arrive chez l'Africain. Il y a des taux. Donc il faut que Rome valide. Et quand les 10 000 arrivent chez Rome, parce que vous avez on dit ça, on va imputer des taux. Et à la fin, les Africains ne vont recevoir que 4 000 francs. Entre-temps, il y a 6 000 qui est perdu là. Mais les 10 000 là seront payés avec des intérêts. Par les mêmes Africains. Donc vous recevez, vous vous endettez à 10 000, sous-entendant qu'on ait fait un taux de 30%. Mais si tu ne payes pas aussi, ça augmente. Hein. Donc 30%, tu vas payer 13 000.
Mais sur les 13 000 que tu payeras, toi, tu n'as touché que 4 000. Mais entre-temps, à l'église, on nous dit, vous êtes bénis. Oh. Mais comment on sera béni réellement avec ces problèmes-là? On parle de quelle bénédiction? On parle de l'autoconsommation. La RDC fait le monde. C'est la RDC qui fait fonctionner le monde. Si j'ai un iPad ici, si nous avons des téléphones ici, si nous avons des ordinateurs ici, c'est grâce à quoi? Grâce à la RDC. Mais qui a la faveur de bénéficier d'un bon téléphone en RDC? C'est les problèmes. Parce que vous allez lire dans Deutéronome 28 que tu auras ensemencé une vigne et tu n'en mangeras pas les fruits, les étrangers en mangeront. Dans Deutéronome 28, il est dit, tu serviras Dieu dans la famine, dans la nudité, dans la disette. Donc ce n'est pas le service divin qui nous est ôté, mais c'est l'état dans lequel nous servons Dieu. Nous sommes le seul peuple au monde qui portons des vêtements que les autres ont portés. Donc les vêtements, c'est ta nature. Parce que les linges qui touchaient le corps de Paul, lorsqu'on les plaçait sur les malades s'en allaient. Et chez les féticheurs, pour faire du mal à quelqu'un, il faut qu'on ait une partie de lui. Mais ce que tu portes, tu sais dans quel milieu ce vêtement-là a été utilisé. Il y a des vêtements de francs-maçons, il y a des vêtements de musulmans, il y a des vêtements de sorciers, des magiciens, des prostituées, des malades et tout ça, des morts et tout, vous ne savez pas. Et on va acheter et on porte, on vient à l'église, gloire soit rendue au Seigneur, merci Seigneur. Mais parce que cela a été annoncé que tu serviras Dieu dans la faim, dans la nudité. Mais dommage que ces choses-là, quand tu vas en Israël, tu ne les vois pas là-bas. Oh, ça, c'est quel genre de juif? Oh là là, oh là là. Alors, donc, j'ai voulu juste vous donner ce message comme base pour vous montrer que arrêtez avec la question que tout le monde se posait là. Nous sommes déjà des chrétiens, ça nous fera quoi? Si on découvre qu'on est juif, mais tu es chrétien, mais tu continues à servir Dieu dans un protocole de malédiction. Et voilà pourquoi nous sommes ici pour changer et pour résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas l'État qui va résoudre ça. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas. C'est Daniel à Babylone, quand il a compris qu'ils sont dans la dispersion, il a dit que nos chefs, nos sacrificateurs, tous nos dirigeants ont péché, nous avions péché, et c'est répandu sur nous des imprécations et malédictions qui ont été prononcées par ton serviteur Moïse. C'est ce que nous appelons les 70 semaines de Daniel. Daniel a commencé à intercéder pour la nation. Dans nos églises, on dit qu'il ne faut pas prier pour nos pays. Mais c'est dangereux. Chaque pays a le mal. Daniel, là où il était, il y avait le prince de Perse qui retenait la venue ou la visitation des anges. Bon, vous laissez le pays sans les prières, sans l'intercession. Bon, d'abord, vous priez comment? Puisque Paul dit que quand vous priez, priez d'abord pour les pasteurs. Non, il dit priez d'abord pour les rois. Les autorités, les hommes élevés en dignité. Parce que notre paix en dépend. Bon, ils sont qui? Vous les laissez entre les mains de même loge occidentale. Et vous vous plaignez, non, ce pays-là est maudit. Mais lesquels qui contribuent à la malédiction? Ce n'est pas là le sol qui est maudit. Ce sont des gens d'une lignée qui ont un problème. Et ce sont ces gens-là qui doivent se réveiller. Voilà pourquoi la reconnaissance de votre identité est très importante. Et vous ne pouvez pas accéder à un leadership élevé dans tous les domaines. Que ce soit dans le domaine physique, dans le domaine matériel, dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, s'il n'y a pas une reconnexion directe avec votre identité pour que cela vous amène en reconnexion avec Dieu lui-même. En dehors de cela, c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi les Japhétites, quand ils sortent des séminaires, on leur parle que c'est l'Europe premier, que c'est l'Amérique premier, et on met de l'argent
pour envoyer dans le monde entier les éminents évangélistes, comme Branham, comme Billy Graham. Billy Graham, c'est Coca-Cola qui l'a fait. C'est Coca-Cola qui a fabriqué, qui a fait le ministère de Billy Graham. Les Oral Roberts, les Renard Banquet, les Jimmy Shaw, parce qu'il faut qu'il y ait toujours au sommet un leader charismatique. Et il ne blague pas avec. Mais chez les Juifs, la seule chose qu'ils font, ils tuent les envoyés. Vous savez, on est passé hier à la télé, à la radio, il y a un monsieur qui a dit, ça c'est l'ange de la lumière qui nous a visité, Satan lui-même. Parce qu'il dit trop de choses vraies avec des preuves. Il n'y a que Satan qui fait ça. C'est la preuve que tu es un juif, parce que Jésus a posé la question, dites-moi, quel est, montrez-moi un prophète que vous n'avez pas tué. C'est vous qui les tuez. Et vous les envoyez dans les tombes, vous blanchissez les tombes, alors vous dites, non, il y avait un prophète ici puissant comme Simon qui manque. Est-ce que quand il parlait, vous l'écoutez? Alors que ce que nous amenons, les États devaient nous écouter, parce que c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Alors, j'ai parlé de... J'ai voulu résoudre ce problème-là parce que c'est ce que Satan manipule. Que si on est juif, ça va nous faire quoi? Je vais parler des les juifs noirs du Congo. Un sujet agressif. Les juifs noirs du Congo. La RDC, terre de prédilection pour le réveil des Israélites dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Alors, il y en a un problème de projection ici. Je crois que... Ah, ok, quand le temps arrivera, je vais... Ok. C'est pas un problème. Non, ne vous bougez pas. Je prends Ésaïe 43, le verset 3 à 4, et Ésaïe 45, le verset 14. La Bible dit, dans Ésaïe 43, 3 à 4, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. » Écoutez, écoutez très, très bien. Je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Mon frère. L'Égypte est donné comme offrande, comme sacrifice à cause d'isoler Israël. L'Éthiopie et ceux de Saba aussi à la place d'Israël. Donc, les peuples ont été donnés, leur vie ont été sacrifiés à cause d'un peuple parce qu'ils ont un prix. Et vous venez me dire que non, ce n'est pas important de savoir qui nous sommes. Oh, mais pour ceux, ce n'est pas possible. Non, il faut que je descende. Excusez-moi. Oui. J'espère que... Oh là là. Oui, il faut prendre un long câble. Vous avez un long câble? Ah, donc, je continue pendant que je parle là. Alors... C'est là comment c'est Dieu qui autorise des remplacements, la politique des remplacements. Donc il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie et il y a les Sabéens. Vous connaissez les Sabéens? Qui a déjà entendu parler des Sabéens?
Qui a déjà entendu parler des Sabéens? Ah ben oui, c'est ça le problème. Alors suivez, quand les Chinois ont voulu envahir le monde, ils ont fait des films de Kung Fu, ok? C'est-à-dire, on a fait des Chinois, des Superman. C'est-à-dire, si tu as un problème de Chinois, avec un Chinois, il fait ça, bah, il te casse les pieds. Et Bruce Lee a fait son truc, chaque chaîne a fait, et puis nous, l'enfance, on était là. Et papa, tu fais, ah, tu sais même pas faire. Et c'est tellement rentré dans notre subconscient que lorsque tu es devant un Chinois, même s'il a tort, tu as peur de l'affronter parce que dans notre subconscient, que tous les Chinois maîtrisent le wushu, il va me taper. Alors que c'est un petit, c'est un court, il est même mince, tu peux le broyer. Mais comme tu as trop regardé dans des films, que toi-même tu as peur. Donc, ça ne s'arrête pas là, même dans les affaires. Quand tu es devant un Chinois, tu as été conditionné qu'il est ton chef. Parce que si tu blagues, il va voler en haut. Mais les films africains, on les fait comment? C'est un Kirikou avec un gros ventre, avec une grosse tête. Il est né même avant. Le noir dans les films, c'est vraiment le mal, quoi. Donc, il est démuni. Et toi, tu acceptes ça en regardant. Il dit, ah, mais nous, c'est comme ça et tout ça. Mais comment on va faire là? Ça sera très important parce que quand je parle de l'Éthiopie, là, tu ne sais pas de quoi je parle. Quand je parle de l'Éthiopie, on regarde généralement Addis Abeba. Ben, c'est là, voilà pourquoi. Tout le monde accepte les juifs Falacha, mais les juifs de la RDC, on n'accepte pas. Parce qu'on ne connaît pas la RDC dans la vision de l'Éthiopie. Donc la projection soigne, en fait, la pensée des gens. Bon, mais poussez peut-être là, un peu plus. Ok. Ah, ok, donc je disais que, suivez, c'est des caprices de la technique. Alors, il y a des peuples qui sont livrés à cause d'un autre peuple. Ils sont même trois. Pour la sœur qui a déjà entendu parler des Sabéens, la Bible, vous allez fouiller dans la Bible, ou vous fouillez Sabéens. La Bible dit qu'on a fait venir du désert des Sabéens à la taille élevée. Alors, vous voyez de qui je parle là? Donc en Afrique, il y a des tribus qui sont très très élevées. Ils ne sont pas juifs. Ils sont Sabéens. Et ils étaient très nombreux et très puissants en Afrique. Mais Dieu les a livrés. Ah, lui il a même déclenché. Donc les problèmes que vous vivez ici en RDC, c'est prophétique. Donc, quand on parle des Sabéens, c'est des gens très élevés. Et ils étaient très nombreux ici. Et Dieu a permis qu'ils soient déportés par l'Empire assyrien afin que le territoire là soit vidé et que le territoire là revienne à qui? À Israël. Dans Ésaïe chapitre 45, le verset 14. Ne lisez pas les Écritures, on va faire des projections. Il dit ici que, ainsi parle l'Éternel, suivez, le gain de l'Égypte et le profit de l'Éthiopie, et ceux des Sabéens à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Ce qui fait la richesse de l'Égypte, le profit de l'Éthiopie, le profit des Sabéens à la taille élevée,
vont revenir à qui maintenant? À Israël. Comment ces prophéties vont s'accomplir puisque Israël est en Palestine? Mais ce qui fait le profit de l'Égypte ou le profit des Sabéens et des Éthiopiens, ce sont leurs mines. Voilà pourquoi Salomon, quand on dit Salomon était riche, sa richesse émanait des relations étroites qu'il avait avec ces peuples-là. Voilà pourquoi on parle que la renommée de Salomon était venue jusqu'en RDC, dans la région de Chaba. Et ça atteint les oreilles de la reine de Séba. Détournez-vous de tous les mensonges qu'on raconte qu'elle revient de l'Éthiopie. Je vais lire un verset de la Bible. Pardon, qu'elle revient du Yémen. Elle ne revenait pas de Yémen. Elle revenait d'ici. Parce que c'est elle qui contrôlait les routes commerciales de l'or, des bois, de l'ivoire, etc. et etc. Et nous allons montrer comment Salomon envoyait ses émissaires ici en RDC, jusqu'à chez mon ami ici en Côte d'Ivoire, pour aller chercher des choses qui ont fait sa valeur. Donc, retenez que ces Éthiopiens, c'est-à-dire les Kamites, les Égyptiens, les Sabéens et les Éthiopiens, leurs mines, leur territoire, leur forêt, ce qui faisait la valeur de ce peuple-là, leur richesse, tout ça, ça passera à Israël. Parce que dans Ésaïe 43, ils les avaient déjà été remplacés. Ils ont été livrés en rançon pour Israël. Pourquoi je dis ça? Dans 1 Roi chapitre 10, le verset 21 jusqu'au verset 23, la Bible dit: tous les coupes du roi de Salomon étaient d'or, et toute la vaisselle de la maison de la forêt du Liban était d'or pur. Rien n'était d'argent, et on n'en faisait aucun cas au temps de Salomon. Car le roi, suivez, avait en mer des navires de Tarsis avec ceux de Hiram, et tous les 3 ans arrivaient les navires de Tarsis apportant de l'or et de l'argent, de l'ivoire, des singes et des paons. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par sa sagesse. Alors, allons-y. Où l'on trouve l'or? En RDC, et l'autre or se trouve en Afrique de l'Est et vers le Mali là-bas. Parce que cette zone-là était contrôlée par les Carthaginois, qui est la civilisation Tyr et Sidon. Cet empire-là qui allait jusqu'en Espagne, jusqu'en Italie, parce que toute cette zone-là était gouvernée par des Noirs. Ça vous étonne? Et donc Salomon commercialisait, il avait des alliances avec les Tyriens, avec Hiram, et il avait des bateaux Hiram parce que les Phéniciens contrôlaient, savaient les lois de la navigation. Donc il faisait des tournées, il rentrait en Éthiopie ici, et il venait jusqu'en RDC ici chercher l'or d'Ophir. Et vous voyez que l'or c'est en Afrique, l'argent c'est en Afrique, de l'ivoire. Ah, ça. Les ivoires ne se trouvent qu'à 2 seuls endroits, en Afrique et en Inde. C'est-à-dire les éléphants. Or, de l'autre côté, vers l'Himalaya, là-bas, à l'Hindoukouche, on ne pouvait pas tuer les éléphants parce que les éléphants sont des dieux et on les utilisait pendant la guerre. Il n'y a que les Éthiopiens qui commercialisaient avec les autres par les ivoires. OK? Et ces éléphants-là ne se trouvaient pas en Égypte, pas même en Éthiopie. Ces éléphants-là se trouvent dans le grand bassin du Congo et les autres se trouvent où? En Afrique de l'Ouest, voilà qu'on appelle la Côte d'Ivoire.
Donc les navires de Salomon venaient chercher ces éléments qui faisaient sa richesse là où vous êtes. En dehors des ivoires, ils venaient avec quoi? Avec des singes. Ah. Les plus grandes réserves des singes se trouvent où? Ici en RDC. Voilà pourquoi, pendant, dans les années 1950, lors de la campagne de vaccination par les gènes des singes, le virus de la RDC et le virus du sida a été créé ici. Donc les singes revenaient ici. Donc ces juifs-là connaissaient bien ici. Les paons, on les trouve où? Voilà. Donc, vous voyez que l'Afrique n'est pas nouvelle avec la Bible. L'autre verset dans 2 Chroniques chapitre 9, le verset 13 à 14, il dit « Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 666 talents d'or. » Pour la première fois, le mot ou le chiffre 666 ressort aussi en rapport avec l'or de Salomon. Voilà pourquoi quand le diable va contrôler le monde par son économie, il imposera un chiffre du contrôle qui est le chiffre 666. Bon, dans la Gématria et dans la Kabbale, on dit que c'est le passage de la reine de Séba qui a perturbé Salomon et tout ça pour rentrer dans ce système-là. Outre ce qu'il retirait des négociations et des marchands qui en apportaient, de tous les rois d'Arabie et des gouverneurs du pays qui apportaient l'or et de l'argent à Salomon. Donc, voyez-vous que on parle de la reine de Séba et les rois d'Arabie. Donc si la femme-là avait quitté l'Arabie, on aurait dû dire qu'elle a quitté l'Arabie. Ce n'est pas une reine d'Arabie, c'est une reine d'Afrique centrale. Donc, c'est pour vous montrer que cette zone qui faisait la richesse des Éthiopiens, la richesse des Égyptiens, la richesse des Sabéens, Dieu devait remettre ça à qui? À Israël. Ok? Maintenant, lorsqu'on parle de l'Éthiopie, la carte est là. Vous voyez que l'Éthiopie ancienne est là. Vous êtes en train de voir. Donc si on a dit, il faut les cartes, parce que lorsqu'on dit l'Éthiopie, les gens disent que Addis Abeba. Donc là nous sommes en Éthiopie. Là. Vous voyez? C'est écrit. C'est écrit Éthiopie. On a qui Éthiopie. Maintenant, là-bas, ici, vous voyez que c'est le Soudan, comme le Soudan occidental. Et maintenant, la partie qu'on appelle Soudan ici était appelée Abyssinie. Et le problème qui nous ruine, mon ami a toujours dit que nous avons des lunettes colonisées. Nous lisons, faisons une lecture avec des yeux colonisés. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions faire une lecture avec les yeux décolonisés. Parce que ce découpage-là est le résultat des Édomites, selon Psaume 83, qui se sont réunis à Berlin. Ils ont commencé à déchirer la carte d'Afrique et tout ça. On a dit, ça c'est le Congo, ça c'est le Congo Brazza, ça c'est le Congo RDC, ça c'est le Gabon, ça c'est ceci, ça c'est la Côte d'Ivoire. Mais prophétiquement, ces choses-là n'existent pas. Quand on parle de l'Éthiopie, nous sommes ici. Donc la reine d'Éthiopie a quitté ici. Parce qu'elle était la gardienne de l'or, de l'argent, la gardienne des singes, des paons et quoi encore? Et des éléphants. Et ces choses-là ne se trouvent pas en haut ici. Là, c'est un désert. Pourquoi
ils ont fait ça. Et puis vous venez me dire que non, c'est pas utile. Non, tu as un problème. On a mis tellement de temps pour te conditionner à accepter que ça ne te concerne pas. Alors, ce pays-ci, qu'on appelle Éthiopie, c'est là où était le profit des Égyptiens, parce que les Égyptiens, dans leur cérémonie, quand on les enterrait, la tête était vers le bas. Ok? Parce qu'ils se disent qu'ils reviennent de l'Afrique centrale. Alors, il y a quelque chose de très particulier. Ceci, ce sont des vases qui ont été découverts en RDC. Ces vases-ci, ça servait quand on momifiait les pharaons, leur partie intérieure, on les mettait dans quatre vases. Et curieusement, l'une des vases a été retrouvée dans le Kassai. Non, ça se trouve chez vous ici. Mais vous avez été programmé à ne pas chercher à savoir parce qu'on vous a dit que ce n'est pas utile. Vous, vous allez au ciel. Donc, c'est pour montrer que si les éléments de l'empire pré-pharaonique, c'est-à-dire des dynasties anciennes, se retrouvent en RDC, alors c'est qu'il y a un lien profond entre cette zone et la civilisation des pharaons. Mais Dieu nous a dit que ce qui faisait le profit de l'Égypte reviendra à qui? À Israël. Ce qui faisait le profit, c'est-à-dire les minéraux des Nilotiques, des Égyptiens, des Sabéens, des Éthiopiens, tout ça, à cause de la valeur que Dieu porte sur Israël, eux, ils vont récupérer ça. Il y a beaucoup d'articles là-dessus que je pourrais vous donner, mais sachez qu'il y a même une statue de la d'Isis qui a été retrouvée ici, toujours dans la même zone. Donc, je vais vous montrer qu'il y a un lien profond entre cette zone qu'on appelle Tanedieu, c'est-à-dire la terre de Dieu en égyptien ancien, avec l'Égypte antique. Mais curieusement, bibliquement parlant, c'est que cette partie sera le territoire futur d'Israël pour qu'ils viennent se cacher là parce qu'ils ont un prix exorbitant. Alors, on repart dans les Saintes Écritures. Je vous ai montré que toutes ces zones là, ce qu'on appelle l'Éthiopie. Et il y a une prophétie dans Ésaïe 18, le verset 1 à 2. Il dit, « Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies des messagers dans les navires de jonques voguant sur la surface des eaux. » Il dit, « Allez, messager rapide, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. » Là, nous sommes dans ce que vous appelez la zone des grands lacs. Parce que la zone des grands lacs est appelée Mésopotamie. Parce que Mésopotamie veut dire là il y a plusieurs rivières entre les eaux. Alors, vous voyez que ça commence à vous déranger, ça dérange votre démarche théologique qu'on a eue
en lisant les Saintes Écritures, alors que les choses se passent sous nos pieds. Dans la traduction Darby, il est dit « terre qui fait ombrage avec les ailes ». Ça fait allusion à une terre qui est protégée par une grande forêt. Dans Ézéchiel 21, c'est appelé la forêt du midi. Et Dieu annonce qu'il va allumer un feu au-dedans, qu'un feu qui ne s'éteindra pas. Nous parlons là d'une zone géographique, que j'appelle géoprophétique, que Dieu a l'œil. Au verset 7 du même chapitre. En ce temps-là, des offrandes, seront apportées à l'Éternel des armées. Par qui? Par le peuple fort et vigoureux, par le peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par des fleuves. Elles seront apportées là où réside le nom de l'Éternel des armées, sur la montagne de Sion. Donc, il y a un lien entre la montagne de Sion et cette zone géographique, ce pays qui est coupé par des fleuves. Voilà pourquoi le grand fleuve Nil trouve sa source dans cette zone et le grand fleuve Congo trouve aussi sa source dans cette zone. Et lorsque ça fait ça, ça devient quoi? La Mésopotamie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, donc, prophétiquement et bibliquement, cette zone tampon, Dieu a lu là-dessus, il dit que les offrandes en ce temps-là, des offrandes seront apportées par ce peuple vigoureux, nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par les fleuves. Voilà pourquoi je crois que la RDC a un grand rôle. Et les élites de la RDC devaient être ici. Mais je crois que Dieu n'a pas besoin d'une multitude. Il a dit à Gédéon, je n'ai pas besoin de beaucoup de gens. J'ai besoin des gens qui ont la foi. Parce que la deuxième guerre mondiale a été arrêtée par quoi? Par la RDC. Mais l'uranium qui a servi à fabriquer la bombe qui a détruit Hiroshima et Nagasaki est sorti d'où? De la RDC. Donc il y a une énergie ici qui peut arrêter l'avancée de l'ennemi. Ça va s'éveiller. Alors, maintenant dans Sophonie 3, le verset 10. Au verset 9, il dit que je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils servent l'Éternel d'un commun accord. Il dit où? Le service divin du temps de la fin se fera où? D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, mes adorateurs, m'apporteront des offrandes. On repart dans nos schémas. Alors, vous voyez, ici, il est écrit quoi? En fait, c'est l'océan éthiopien. Ce qu'on appelle le golfe de Guinée ou l'océan Atlantique, c'est une falsification de l'océan éthiopien. Voilà pourquoi il dit, toi qui envoies des messagers sur les navires de jonques à travers des mers. Parce que l'Éthiopie, c'est toute cette zone-ci. Ok? Maintenant, ici, il y a des fleuves de l'Éthiopie. Il y a la RDC ici et le Congo-Brazzaville qui se partagent le grand fleuve appelé le fleuve Congo, qui n'est pas le fleuve Congo, mais dans le Talmud, le fleuve Congo est appelé le Sambatillon. Et le Sambatillon est l'indice caché qui montre où seront cachées les tribus perdues de la maison d'Israël. Et ils ont dit qu'il y a un fleuve mystérieux qui n'était pas connu des profanes, appelé le Sambatillon, qui sépare les tribus d'Israël avec les enfants de Moshe, c'est-à-dire les Lemba ou les sacrificateurs.
Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, ça a été attesté dans la zone du royaume Monomotapa, il y a la présence des Lemba jusqu'en Afrique du Sud, et les Lemba sont des Lévi. Les fils d'Abraham, de Lévi, sont appelés les Lemba. C'est toute une tribu. Je crois aussi qu'ici en RDC, il y a des Lemba. Au Congo, Brazzaville, il y a des Lemba. Il y a même des gens qui se réclament les Nzamba Lemba. Nzamba Lemba, voilà. En fait, c'est une lignée des sacrificateurs de la Bible. Dans le livre d'Esdras, troisième livre d'Esdras, il revient de la déportation. Ce sont les sacrificateurs qui portent le nom de Dieu, qu'on les appelle les Nzambi. Alors, donc, vous voyez que le sang bâtillon est le code qui cache les tribus perdues de la maison d'Israël. Et je crois que demain, nous allons graviter là-dessus pour vous montrer comment ils ont quitté la Palestine pour venir se cacher ici. Parce que Dieu, prophétiquement, avait dit qu'au temps de la fin, ses adorateurs... Ok. Et donc, ils étaient en Palestine. Ils pêchent. La Bible montre qu'ils fuient en Afrique. Et prophétiquement, ces gens-là sont appelés mais dispersés. Dieu les appelle ses dispersés et ses adorateurs. Et c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi si on dit, on va faire un jeûne de 40 jours à Kinshasa, tu auras toujours des gens à l'église. Parce que c'est tout ce que nous savons faire. On ne force pas. Ça se trouve en nous. Et c'est naturel. Parce qu'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, se trouvent les dispersés de la, et les adorateurs de la maison d'Israël. Alors, je vais terminer, suivez attentivement. Je vous ai parlé du sang bâtillon. Parce que Diego Cao et les Livingstone, en fait, l'Europe ne connaissait pas l'Afrique profonde. L'Afrique qui était connue, c'était l'Afrique du Nord à cause des Juifs qui étaient ensemble avec les Carthaginois, ou les Berbères, les Maures et tout. Et ils connaissaient aussi l'Égypte et l'Abyssinie. Mais il y avait une barrière profonde qui protégeait cette zone-ci. C'est la forêt du Midi. Et donc, à cause des persécutions, quand les Juifs avaient des problèmes partout, ils venaient se cacher ici. Voilà pourquoi quand Jésus vient en Éthiopie, en Égypte ici, ce n'est pas l'Égypte comme l'Égypte telle. Parce que cette Égypte-là était contrôlée par Rome. Mais là où il n'y avait pas le contrôle de Rome, c'est l'Égypte profonde. Et on dit qu'il y avait un Égyptien qui venait prendre les Israélites au temps de Paul pour les amener ici. Mais il ne les amenait pas en Égypte, puisque l'Égypte, là, était contrôlée par des Romains. Il y a une Égypte que les Romains ne contrôlaient pas, c'est l'Égypte profonde. Ici, personne ne connaissait. Et la Kabbale juive ne pouvait pas dire ce qui se trouve là-bas. Et les gens se posaient la question, comment tout un royaume a disparu? Et on les appelle les tribus perdues. Comment, par comme magie, un peuple va disparaître.
ils n'avaient pas disparu, ils étaient allés se cacher dans une zone bien sécurisée. Et donc, au 9e siècle, il y a un juif d'Anite qui avait quitté ici. Il vient à Fès, au Maroc, à Algérie, il commence à dire qu'il y a deux royaumes hébreux en Afrique. C'est un scandale. Après, il va en Espagne et tout. Il dit que moi, je suis un Danite. On appelle Eldad le Danite. Que je suis juif, noir. Comment? Je suis la tribu de Dan. En Europe, l'affaire de tribu n'existait plus. Il savait que les tribus sont perdues, ça n'existe pas. Et le gars va leur pomper des histoires. Il dit non. Mais vous comprenez rien. Il y a la tribu de Gad, il y a la tribu de Benjamin. Il a cité toutes les tribus en Afrique. Il dit non, mais il y a des problèmes là-bas. Il y a un royaume du prêtre Jean, qui est un royaume qui a beaucoup d'or. Et ce royaume-là fait frontalier avec les fils d'Israël et les fils de Moshe. Et moi, je sors de là-bas. Ils observent la loi de Moïse. Ils croient à la Torah. Et l'autre royaume se trouve de l'autre côté là-bas. Là se trouvent les docteurs Aké et tout ça. Il dit, tiens, ça c'est encore quoi? Et on a vérifié. Et il est écrit que Eldad le Danite parlait l'hébreu archaïque. Quand on parle l'hébreu archaïque, ce n'est pas la langue qu'on parle en Israël. Parce qu'en Israël, on ne parle pas l'hébreu. On parle le yiddish. Quand on parle l'hébreu archaïque, ce sont des langues africaines qui se sont éclatées comme le Luba, comme le Swahili, comme le Kikongo, comme le Vili, etc. Et etc. Donc plusieurs d'entre nous, la langue que nous parlons, ce sont des langues dérivées de l'hébreu. L'hébreu. Voilà pourquoi il est dit dans Ésaïe, je crois, 19, le verset 18, en ce temps-là, 5 villes dans le pays d'Égypte parleront l'hébreu. Donc il y a des peuples en Afrique qui parlent l'hébreu. Donc s'il y a des Luba ici, pendant ce temps que vous parlez le Luba, vous êtes en train d'ignorer que vous parlez l'hébreu. S'il y a les Congos ici, mais vous parlez l'hébreu. Mais pourquoi vous êtes retrouvé dans cette situation-là? C'est parce que vous avez été conditionné à abandonner vos langues au détriment de langue du la langue des colons. Voilà pourquoi, tel que je parle là, il n'y a pas une langue de communication qui va marcher. On parle dans la langue du colon. Et donc, ils sont allés en Égypte pour chercher les Hébreux. En Égypte, on les a dit, ils ne sont pas ici. Il dit, mais ils sont où? Il dit, non, ils avaient fui, sont descendus en bas, et les autres sont en haut. Il dit, non, ceux-là de l'Afrique de l'Ouest, on les connaît. Il dit, en bas là, ils sont là. Trouvez le sombatillon, vous avez vos Hébreux. Voilà pourquoi ils ont couru, ils ont couru, ils ont couru. Jusqu'à ce que Diego Kao arrive à l'embouchure du Congo. Parce que tout ce qu'il savait, c'était le Nil. Il se rend compte en dehors du Nil, il y a un autre fleuve. Et c'était la clé pour découvrir les enfants de Moshe et les enfants d'Israël. Alors, l'expulsion des colons était une mission organisée par la Rome impérialiste qui s'est transformée en la Rome papale afin de vendre les enfants d'Israël. Parce que parmi les caractéristiques de Rome, la grande Babylone, elle est quoi? Elle vend les cargaisons d'or, d'argent et tout ça, des corps et d'âmes d'hommes. Quels sont les corps et d'âmes d'hommes qui ont été vendus au monde entier?
que Rome ou Babylone, mystère, a fait. Ce sont les papes qui ont donné la bénédiction aux Portugais et aux Espagnols de légaliser la traître négrière. Cette traître négrière est la dernière malédiction qui devait tomber sur Israël. Selon Deutéronome 28, le verset 68, il est dit, « Et l'Éternel te ramènera en Égypte, c'est-à-dire l'Afrique, et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le feras pas. Et là, tu te vendras en esclave. » Pourquoi ça arrive? Ce sont les pères, il y a 2000 ans de cela, qui ont scellé ce pacte en disant, « Nous n'avons pas un autre roi en dehors de César, et que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Voilà pourquoi nous sommes bloqués. Et tant qu'il n'y a pas réveil, le génie inventif, j'ai presque fini, ne va pas se lever. Alors que Deutéronome 28 est double. Le verset 1 jusqu'au verset 14, ça parle de l'hégémonie, la domination. Et cela, parce qu'il dit, tu prêteras à beaucoup, tu n'emprunteras pas. L'Afrique peut nourrir le monde entier. Cette zone au-delà des fleuves de l'Éthiopie, c'est la zone la plus bénie de la terre, qui est le profit des Égyptiens, le profit des Éthiopiens, les profits des Sabéens, qui par la loi de dispersion a été donné à Israël. Mais Israël est sous un châtiment, parce qu'il leur a été dit, comme vous avez désobéi, l'étranger qui est au milieu de vous prospérera et toi tu descendras plus bas. Voilà quand tu verras un Pakistanais, tu verras ici un Libanais, un Indien, un Chinois, il prie Seigneur ou Bouddha, envoie-moi où? En RDC. Et quand il arrive ici, prospère, il va t'embaucher, il va te déboucher parce qu'il prospérera et toi, tu descendras plus bas. Lui, il ira dans des magasins luxueux pour acheter des bonnes vestes. Toi, tu iras dans des friperies pour acheter les vestes que lui a portées parce que il y a des couches, des obstacles, des alliances que les pères avaient scellés. Dans ces malédictions, il est dit que la terre te sera de fer et le ciel te sera d'air. Nous sommes sur une terre prospère, riche, mais on n'arrive pas à bénéficier, ne fût-ce que de l'agriculture. Est-ce que le riz ukrainien ou russe pouvait avoir de l'impact sur nous? C'est nous qui devions distribuer le riz. Mais on est dépendant. Qui d'entre nous a l'idée que j'ai fait géologie, je vais rentrer dans l'exploitation des mines parce que notre père, Isaac, avait creusé, je vais creuser. Personne ne peut penser à ça. Il faut que l'étranger vienne. Ici, c'est qui? C'est Abbé Dachou, qui est même musulman, qu'on loue par des chrétiens. Donc, il ne s'agit pas de blaguer. C'est une affaire très, très sérieuse qui est un blocus. Et aussi longtemps que cela n'est pas résolu, nous prierons et en vain, parce que Jacques dit, vous demandez mal. Voilà pourquoi on ne reçoit pas. Parce que si nous souffrons et nous ne savons pas pourquoi nous souffrons, comment saurons-nous comment se libérer? Voilà pourquoi quand Ézéchiel, je termine par là, a fait la vision d'Israël dans la vallée d'Hinnom, il a vu que ce peuple était devenu comment? Des ossements desséchés. Vous savez, l'Église a beaucoup fait du mal. Mais quand on parle des ossements desséchés, non, yo, oya wazaba, ossements desséchés, ndima kaka, ozwalibala, ndima kaka, c'est bien.
Mais ça parle d'abord Alors cette prophétie parle d'Israël, comment ils vont perdre la mémoire, comment ils vont perdre la peau, les nerfs, la chair et tout. Et on a posé la question, dans cet état-là, est-ce qu'ils peuvent revenir? Ézéchiel dit non, je ne sais pas, peut-être toi. Et l'ange lui dit, prophétise sur les eaux. Et quand il a commencé à prophétiser, il y a eu un mouvement. Il prophétise. La première des choses qui est revenue, c'était quoi? Les nerfs. Parce que les nerfs, c'est la réflexion. Les nerfs, c'est la restauration de la mémoire. Les nerfs, c'est l'intelligence. Et je crois que moi et mon frère ici, nous avons seulement prophétisé et il y a eu un mouvement. Les eaux se sont rassemblées et nous sommes là ce matin. Mais ce n'est pas fini. Il dit prophétise pour que les nerfs reviennent. Et donc nous avons pour mission effectivement de parler de qui vous êtes pour vous montrer les indices des problèmes au quotidien que nous vivons et quelle en est la cause pour que tout un chacun de nous, une fois qu'il y a restauration de la mémoire, il y a restauration de l'identité, c'est la première étape de la restauration, c'est-à-dire l'intelligence, qui peut nous aider à réclamer toutes les autres choses qui nous restent. C'est la restauration de la mémoire qui nous amène à comprendre que je peux être une barrière qui arrête la direction de la malédiction comme Daniel à Babylone. Une seule personne a brisé la malédiction et a déclenché le retour d'Israël et de Juda en Terre Sainte et la reconstruction du temple. Alors, voilà, je crois que j'ai été très lent et c'était quand même très essentiel, surtout qu'on a commencé en retard, que de baliser le terrain le temps que le docteur Ake viendra pour démontrer avec d'autres preuves qui vont étayer la thèse que véritablement les Hébreux de la Bible sont de la race noire et ils sont en Afrique et précisément ici, en RDC, ici dans la ville de Kinshasa, et ici même présent dans cette salle où nous sommes réunis. Merci pour votre attention. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, Rachid. Je crois que le message a été très édifiant et je pense que tout le monde s'est retrouvé et que ça vous fait un peu de réflexion pour qu'à la fin, le temps viendra pour vous aller comparer ce que vous aviez avec ce que vous avez eu et vous allez prendre les décisions d'accepter. Alors ici, il est 12h14, on prend un break. Après le break, vers 14h, on reprend avec le docteur Ake. Alors je vous supplie, je sais que c'est chaud, la climatisation n'était pas bonne. Les questions, c'est, ça sera avec lui. Oui. Au fait, l'idée, c'est laquelle? On regarde, je suis ici en train de regarder vos visages. Je me suis dit que vous devriez être fatigué. Ok, ça, c'est très bien. Si vous n'êtes pas fatigué, on va continuer avec les questions. Ok, d'accord. Donc, le fameux repos aura lieu après les questions. On va continuer sans repos. Tout le monde est d'accord?
Alors, pédagogiquement, vous avez besoin d'avoir de nouvelles choses et mettre un break pour avaler. Hein? Après, on accepte qu'on pose 2, 4, 3 questions et puis vous pouvez vous reposer. Oui, excusez-moi, je ne devais pas prendre la parole, je vais juste aider. Hein. Vous savez, ces conférences, c'est pas à Kinshasa, c'est la première fois. Hein? Ailleurs, c'est pas la première fois. D'abord, le samedi passé à Abidjan, j'étais encore en conférence. Là, j'étais tout seul, hein, le matin et le soir. Et nous revenons du Gabon, nous revenons de Douala avec lui. Et vous savez, je sais que c'est un sujet très brûlant. On ne peut pas parler de ça et puis partir sans écouter. Ce n'est pas possible. Et quand vous touchez ça, ça suscite beaucoup de questions. Beaucoup de questions, ça nous le savons. Mais vous savez, moi je suis venu avec une délégation de 6 personnes depuis Abidjan. Hier, on devait être à l'aéroport à 23h. Et nous étions à 23h à l'aéroport. On nous a fait le check-in. On est resté à l'aéroport jusqu'à 2h50 pour passer dans l'avion. Et on est venu tout droit. On est descendu à Ndjili ici à 7h35. Et nous sommes venus directement là. Et on est allé se laver pour venir là. Et je dois parler après lui. Alors, imaginez que je dois m'asseoir là tout ce temps jusqu'à... Quand je vais prendre la parole, je vais parler jusqu'au soir. Vous voyez un peu que... en fait, je sais que c'est... Mais on va aller doucement. Je souhaiterais que chacun prenne... s'il n'y a pas de papier, il serait bon si on peut leur fournir du papier qu'on découpe. Que chacun écrive sa question. Chacun écrive... Parce que demain encore... Hein, demain le matin, tout le monde va à l'église, mais l'après-midi, on sera ici pour terminer ce qui a commencé aujourd'hui. Mais dans les faits, normalement, il devait exposer aujourd'hui ce matin, et moi je devais exposer le soir. Et maintenant, on prendrait les questions pour demain, et on répondrait à toutes les... Là, demain, il n'y a pas d'exposé. Quand on arrive, on a tout le temps pour répondre à vos questions jusqu'à X heures et puis on s'en va. Mais tel que vous voulez partir, ça va être un peu... C'est pour cela que pour faire des questions, on ne pourra pas satisfaire tout le monde. C'est qu'on sera obligé aussi de limiter les questions parce qu'on doit reprendre à 14 heures. C'est ça la réalité. Parce que si on continue, ce sera vraiment, vous pensez que vous n'êtes pas, ça va fatiguer. Oui. Oui. Voilà. Ils ne connaissent pas le contenu. Peut-être même il y a trop de réponses qui vont ressortir dedans. Exactement. Bon, il faut le micro. Les questions à chaud dans la salle. Les micros. Hein? Ok, c'est bon. Ok.
Mais il faut qu'il y ait des questions, ce sont... un micro qui... Pour les questions. Bon, comme la salle n'est pas grande, nous avons des problèmes de chute de tension, nous allons écouter les questions sans une sonorisation amplifiée. Alors, gérer ça déjà. Maintenant, les gens qui veulent poser des questions, on va choisir. Alors, je prends... Je voulais proposer une procédure. C'est-à-dire que nous pouvons aller à l'écran pour proposer Non. Non, laissez qu'on pose déjà les questions. Les gens sont chauds qui posent les questions. On se comprend, on se comprend bien. Le docteur Akel, il est venu avec une délégation de 10 personnes. Il y a le docteur King qui est venu avant. Et ils ont donné l'historique de leurs activités avant d'arriver à Kinshasa. Je sais que c'est la première fois. Vous nous comprenez, nous avons le souci. Moi, j'ai fui le boulot pour ça. Nous avons le souci que ça marche et que tout le monde soit au courant et les personnes apprennent de cette bonne nouvelle. En réalité, c'est la vraie bonne nouvelle. Mais maintenant, il faut la réalité. Il faut une sorte d'organisation pour permettre aux gens de souffrir. Alors, je vais distribuer des feuilles de papier, des petites feuilles pour les gens qui ont l'estime et peuvent écrire des questions. Mais nous allons accepter 4 questions. Direct. Les gens qui veulent poser des questions direct peuvent les présenter directement. Oui. Et on va y répondre après quoi? Un repos suivant. Ok. Alors, les deux. Je prends le premier. Oui, vous pouvez vous lever et parler. Regardez, c'est papa, ça sera la deuxième. Troisième, ça sera la troisième personne là. Quatrième, ça sera déjà. Voilà, je les ai vus et on peut commencer par ça. Oui, merci beaucoup. Moi, c'est Monsieur Mouki. Je voulais savoir, vous avez parlé ici, il n'y a pas d'Israël spirituel. Mais nous attendons parler d'Israël spirituel et nous vous éclairer là-dessus. Je prends Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Les Israélites, c'est une famille. 12 000. Israël, c'est une famille. Il n'y a pas de Congolais spirituels. Il n'y a pas des Égyptiens spirituels. C'est